Et salut à tous, c'est Pingu Shadow en compagnie de Resto 88. Bonjour Resto, et aujourd'hui c'est un épisode sur Terraria. Alors, il faut savoir un truc. Le dernier épisode qu'on attendait, c'était il y a 3 mois, 2 mois. Ouais, 3 mois. Il y a 3 mois. On a plus du tout retourné sur cette map. Entre temps, on a fait 37 fois la fin du jeu. C'est plutôt sympa. Et on ne sait plus du tout ce qu'on a. La dernière fois, on sait qu'on a fait l'exploration du donjon. Mais à part ça, c'est tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller dans l'enfer pour passer en mode difficile, battre le boss. Le boss. Le boss, le mur de chair. Que vous verrez, qui est assez puissant. Et en off, on a ramassé le dernier cœur. T'es prêt? Oui. 1, 2, 2, 3. Voilà, on a donc 400 points de vie. Ce qui est le maximum pour l'instant. Ouais, donc on est plutôt content. Oui. Du coup, pour aller en enfer, un des meilleurs moyens, c'est de faire un ascenseur. Donc c'est creuser comme un con tout droit. Donc voilà. Comme c'est, vu que c'est pas intéressant. Ah oui, et on a aussi construit ça en œuvre. Ah ouais. Ouais, vu que c'est pas intéressant, on va passer ce moment chiant, donc on se retrouve dès qu'on a fini, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh. Et donc, heureux les gens, vous voyez, on arrive bientôt en enfer, donc très content, n'est-ce pas? On va raconter de l'obsidienne sur le chemin. Oui, voilà, parce que l'obsidienne va nous servir à améliorer notre bouclier pour résister aux blocs de feu. Car on va miner des minerais qui brûlent et quand on les casse, ça se transforme en lave. Il faudra se faire des potions, bref. Assez chiant. Et qu'est-ce qu'on va faire dans l'enfer, mon cher Jean-Mi? Je sais pas. Voilà, on va, je sais pas. Non, en fait, on va tout simplement péter du mob et tuer le boss. Pas tout de suite, faut raconter. Attends, casse-toi. Donc nous voilà en enfer. Donc l'enfer est un lieu dangereux. Il ne fait pas bon vivre. Alors, dans l'enfer, on trouve plein de petites forteresses comme celle-ci avec plein de pots. Ça, c'est vachement cool. Et vous voyez, ici, il y a des forges qu'il faut récupérer. Ça nous permettra de faire des barres de pierre de l'enfer. C'est plutôt cool. N'est-ce pas? N'est-ce pas, mon cher? Voilà, n'est-ce pas, mon cher? Oh, il y a des tableaux sympas, hein. Prends-les si tu veux. Non, merci. Alors, petite technique pour miner donc, l'endstone, hein, comme ça s'appelle. Voilà, vous allez dans les maisons, comme ça, et vous pétez sur le côté. Ou sinon, vous faites des potions pour aller dans la lave, c'est bien plus pratique. Bah, non. Ah, si, potion. Bah, si. Potion pour aller dans la lave, c'est toujours plus pratique. Hein. Hop. Alors du coup, ce qu'on va faire, je sais pas ce que t'en penses, on va refaire un atelier, on va faire une énorme plateforme pour battre le boss de l'enfer. Regarde. Oui, d'ailleurs, on est à Halloween, donc du coup, les mobs sont déguisés, ils donnent des choses spéciales. Donc on va faire... bien Halloween. Oui, Halloween. Oui, on est le 31 octobre. Non, mais en gros, on sera environ vers mars quand ce vidéo sortira. Donc... on va faire la plateforme, on a tiré, et du coup, finalement, on va peut-être pouvoir se faire le boss. On pourra trouver des coffres que Redstone va pouvoir ouvrir avec la clé qu'on a trouvée dans le donjon. On vous montrera tout ce qu'on aura obtenu à la fin. Du coup, bah, voilà, la petite clé. Du coup, petite accélérée, et on se rejoint dès qu'on a fait tout ça. Donc, regardez, on a fait
Tout ce chemin, d'ailleurs, toute la guerre, je ne comprends pas. Pour l'instant, Retsu 88, il utilise des potions de téléportation, il s'amuse. Alors, je suis désolé si ça l'a, je ne comprends pas. Pourtant, je n'ai aucun programme ouvert. T'es toujours là, Jean-Michel? Resto. Oui. Bien. Donc, on va faire le mur de chair. Au final, on aura le temps. Le mur de chair, si vous voulez, c'est un énorme mur avec des gueules qui vont cracher des vers dégueulasses avec un bruit bien, bien dégueu. Et une fois qu'on l'aura tué, tiens, je te passe les potions. Une fois qu'on l'aura tué, on va passer en mode difficile. Des nouveaux monstres, des nouveaux objets, des nouveaux minerais, des nouveaux boss. Et c'est là que le jeu va vraiment devenir compliqué. Car là, encore ça va, c'est gentil, c'est mignon, merci. Mais on va vraiment passer dans un monde difficile. Ah ouais, j'ai remplacé le four par une forge des enfers. Donc je vais nous faire une hache, une pioche à tous les deux. Hop. Je vais nous faire une martache, enfin une lamette. Ça fait hache et marteau. Ça peut être sympa. Qu'est-ce que tu fais? Je peux même. Est-ce que tu veux. Quoique, elle fait moins de dégâts que notre hache de combat, donc on va pas faire ça. Je vais nous faire deux imp staff. Et ce sera tout l'arc que je vais pas le faire. Ok. Tiens, prends le imp staff là. Donc le imp staff, hein, c'est tout simplement voilà, un petit minion qui va nous aider. À la place de l'abeille. Moi, faut que j'aille le renchant parce qu'il y a moins 17% damage. Donc c'est plutôt agréable. Très agréable. T'as vu, là, je suis alors, vraiment un amoureux. Bonjour monsieur. Qu'utiliser pendant ce combat? Ah, j'ai oublié de te donner la pioche. Ouais, plus 15 de combat, j'ai pas besoin. Donc la pioche qui nous sera utile pour miner nos prochains minerais. Que... Évidemment. Bah oui, évidemment. Pardon. On n'a plus que deux barres, donc faudra aller en rechercher. On peut se faire une armure avec, mais pas top. Elle donne aucun bonus en fait. Donc... Voilà. C'est pas cool. Et voilà. Et donc, pour faire apparaître ce boss, il faut. Est-ce que t'as un arc, toi? Oui, j'ai un arc. Merci. Du coup, on va descendre. Hein? Eh bien oui. Voilà. Alors attends. Je bon, finis. Pour savoir, pour faire ce boss, il faut que le guide soit en vie. Donc on va devoir tuer Kevin qui est jamais mort depuis le début de notre aventure, faut le noter. C'est parti. Donc tu tombes toujours 10 fois plus vite que moi. Oui, je tombe plus vite que toi tout simplement parce que j'ai un slide. Voilà. Non, non, non. Si, si, là j'ai un slide. Oui, mais de base, tu tombes plus vite que moi. Alors c'est là, bien. Ça lag totalement. Ça ne suit plus. Il faut que je fasse gaffe car je... Ah, il y a toujours de l'eau. Car j'ai pas les dégâts de chute. Si alors, tu as les dégâts de chute. Oui, j'ai les dégâts de chute. Hein. Mais qu'en arrivant à hard mode, parce que ça s'appelle comme ça, on va pouvoir se faire des ailes. Et ça, ce sera bien. Franchement, vous allez voir, si vous ne connaissez pas Terraria, ou pas trop, vous verrez le hard mode, par rapport au mode facile, c'est rien. C'est le but du hard. Oui, mais c'est totalement débile. Le hard mode, c'est comme si vous recommenciez le jeu, mais malgré votre équipement que vous avez déjà, vous ne ferez aucun dégât. C'est ça qui va être marrant. Pour en faire. Ah, tu fais pas beaucoup de dégâts en vrai. Non. Genre là, avec mon Space Gun, je vais faire un dégât à tous les mobs. Hein. Ah oui, oui. Mon loup veut toujours pas partir, faudra qu'on règle ça. Donc, je vais faire une petite ellipse le temps qu'on aille au bout de la plateforme. Hein. Et puis voilà. T'en penses quoi? Bah ouais. Hop, c'est parti. Donc, ellipse. Allez. Au revoir. Donc, nous voilà au bout. Toujours être c'est là qu'il faudra vraiment que je corrige. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous êtes prêts, Jean-Mi? Oui, Jean-Mi. Alors, je vais lancer la poupée. Et le boss va apparaître. C'est parti. N'oublie pas d'utiliser tes potions. Buff. Voilà. Et hop, c'est parti. Ok.
Alors, voici le mur de chair. Un monstre. Franchement, il fait peur, franchement. Il fait des bruits dégueulasses. Alors, la technique, c'est vraiment le waterbolt. Faut le faire rebondir sur le plafond si tu veux faire plus de dégâts, monsieur Redstone. Alors, je vous ai mis des air surf potions. En gros, tu sais, les petits cœurs que font apparaître les meubles une fois qu'ils meurent, eh ben, on a une plus grande portée pour les récupérer. Et vu que ça loue plein de choses, ça, il faut vraiment profiter. Voilà. Alors, le mur de chair, si vous le faites, bon, là, on n'est pas en expert, donc il est vraiment très simple. Mais si vous le faites, on vous conseille d'avoir des trucs à distance. On l'a déjà fait au corps à corps et. C'est pas simple! Mais on l'a fait, on l'a réussi du premier coup. Ouais, nous on est trop fort, vous voyez. Alors, franchement, la meilleure arme contre lui, c'est le waterbolt. Il n'y a rien de mieux. C'est vraiment la. Ce que vous ferez le plus de dégâts. Je récupère les loot ou pas? Ouais. Ok. Voilà, je vais pas le faire mourir ici, voilà. Il va mourir. Allez, crève! Et il veut pas. Hein. Oh là, un gros coup de lag. Wow. Non mais oui, moi j'ai ça ma TP. Attends. Ok. Hop. Alors là, vous voyez un petit message qui veut dire qu'on est passé en hard mode. Et juste le pour à mort. Donc ça permettra de casser les démons altar. Et ça va être pratique. J'ai eu le trophée qui est particulièrement dégueulasse. Ah bah cool. Et comme ça. Je le Et oh. J'ai eu un fusil d'assaut mécanique. Ah ok, c'est top. Oh, t'as eu ça, c'est trop bien. C'est une mitrailleuse. Hein. Bon, on se le refait du coup. Bah, du coup, oui, il faut retourner ce bout, mais sinon, oui. Alors, le premier hammer, en gros, ça nous permettra donc de casser des démons alter qui vont faire apparaître les nouveaux minerais. Mais. Ouais. Bah, d'ailleurs, j'ai mis aucun timer, mais non. Du coup, c'est pas grave. Si la vidéo est trop longue, je la comprends. Comme ça, l'autre partie, elle a apparu 3 jours après. 3 mois, pardon. 3 mois. Alors, souvent, ce que je fais quand je passe en hard mode, je reste dans l'enfer car, étrangement, l'enfer, selon moi, reste l'endroit le moins dangereux une fois que t'es passé en hard mode. Parce que. Non, peut-être pas. Bah, si, il y a des nouveaux mobs de l'enfer, mais il y en a qu'un en fait. Ouais, c'est juste les chauves-souris, donc ça va encore. Non, il y a aussi les gros démons. Non, mais eux, ils apparaissent après avoir tué un boss mécanique. D'accord. Qui est la suite du jeu. Voilà. Les boss mécaniques, c'est les mêmes boss, mais plus forts. Ah, est-ce que t'as marché? Donc du coup, on va attendre que Kevin respawn et on va se le refaire, n'est-ce pas? Ah oui, faut attendre. Ouais. Donc on se retrouve dès qu'il est là. Salut. Alors là, on est un peu en panique. En fait, on a vu un faux coffre, donc un mimic, c'est un nouveau mob, qui nous a attaqué et qui nous a donné un collier qui permet de prendre moins de dégâts par seconde. Et là, vous voyez, une âme torturée a spawn. C'est un PNJ et voilà, Redsto vient de le purifier. Fallait juste lui lancer de la poudre purificatrice. Donc voilà, ouais, chez la dryade. Et on a eu donc ce collier. Est-ce que tu le veux, le moins de dégâts par seconde? Je sais pas, ouais. Parce que ça se trouve assez facilement au final. C'est vraiment un objet que j'adore. Tiens. Hop. Ouais, il est bien. Oui, oui, surtout moins de dégâts. Quoi. Je vais enlever le counter. Ce PNJ, il ne vend rien. Non, non, il donne des pièces. Voilà, c'est un collecteur de tats. Bon, il faut le mettre dans la ville hein, pour qu'il fasse quelque chose. Mais en gros, de temps en temps, on ira le voir, il nous donnera jusqu'à 10 or. C'est plutôt sympa. Donc, on va pouvoir le faire spawner vu que bah, il a respawn. Voilà, comme ça. Et franchement, ça a duré 2 minutes. Ok, c'est parti. Alors, toujours s'occuper des petits mobs qui restent. Hein. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, je ne suis pas régène entièrement. On devrait réussir à le faire. N'éjecte rien. Alors franchement, si vous le faites, faites attention à ces petites pinces. C'est ce qui fera le plus de dégâts. Il suffit juste de marcher tout le temps le plus débile. Après, quand il passe en mode rayon laser, ça fait mal. Mais il y a pire. Alors franchement, voilà. Alors, d'ailleurs, n'allez jamais derrière le Wall of Flesh, je vais le faire. Voilà, sinon il vous ramène au combat. Il fait des dégâts. Voilà, il fait des dégâts. Vous ne pouvez pas fuir. Si vous utilisez genre, le miroir magique pour rentrer chez vous, vous serez mort instantanément.
et vous one shot. Voilà, et il faut savoir que le mur de chair ne dispone pas à votre mort, c'est-à-dire qu'il continue à foutre le bordel, même quand vous êtes réapparu. Bref, vous pouvez toujours retourner en enfer pour le retenter, mais souvent c'est mort car... déjà trop loin. Voilà, il vous tépéra dans tous les sens et vous ne pourrez rien faire. Et il faudra attendre qu'il ait fini son chemin. Plus le... enfin, moins la PV, plus il va vite. Voilà. Et en let's play, c'est assez pété. Ok. Ah, oh, il est mort, bah vas-y. Ok. Ah, Ranger emblème. Ouais. Alors, les emblèmes qui demandent de 10% tous vos dégâts de mêlée. Suffit de bref, ça dépend de votre stuff. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Bah, juste l'emblème. Du coup, qu'est-ce qui peut encore nous intéresser chez Jean-Michel? Peut-être moi l'emblème. L'emblème des semaineurs. Ouais. Bah écoutez, on va se le refaire, hein. Bah... bah voilà, hein. On va se le faire en accéléré, tout ça. Ah, il est revenu! Quoique, peut-être même, on va terminer la vidéo là, on continuera en off. Ouais. Limite, ouais. Ouais, on va faire ça. Parce que je sais pas combien de temps durera la vidéo. Donc on espère que vous avez aimé ces combats intenses. La vidéo est certainement courte ou longue, je ne sais pas. Et c'est pas grave, c'est un petit épisode de reprise car on a mis beaucoup de temps à faire cette vidéo. Merci. Donc on se retrouve dans 3 mois. Hein, dans 3 mois. Pour le prochain épisode, le Terraria en compagnie de Redstone 80. Oui, attends, mec. Je suis toujours là, je ne pars pas. Oui, attends. je vais réaliser ton rêve. Ah. Alors attendez, c'est un objectif. Alors. Une plante morte, une fleur de feu, une fleur de l'eau, une fleur de glace, une fleur de la lune, une fleur lumineuse, une plante du jour. Pourquoi t'es comme ça? Parce que c'est mon perso de base en fait. Et ensuite un peu de sable. Hop, alors je fais un peu de vert. Alors attendez. C'est pas prévu ça, mais il faut le faire. C'est le rêve de Redstone, maison de Kevin, qui n'habite plus là. Une station d'alchimie, voilà comment en faire. Bon, je sais que j'en ai une autre en bas, mais j'en fais une rapide ici. Et est-ce que je peux la faire? Non, attendez. Ah merde, c'est oublié un truc. Ah, il n'y a pas de guide. Ah, qu'est-ce qu'il faut? Attends. Il faut une bouteille d'eau, je suis con. Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Voilà. D'ailleurs, ça rend 20 PV les bouteilles d'eau. Ça sert à rien. Au début, ça peut servir, c'était beaucoup de ça. Voilà. Gender Change Potion. La potion de changement de sexe. Vas-y. Oh, elle est magnifique. Vas-y, voilà. Oh mon dieu! C'est une fille. On voit pas, mais si on a eu l'œil, on peut voir qu'une poitrine a poussé. Voilà. Ouais. Il y a eu quand même un changement, mais là t'es une fille, donc si on te tape, attends, mets-toi le PVP. Si on te tape, normalement tu devrais faire des bruits de filles. Hop, voilà. Voilà, vous entendez? Voilà. Vous êtes contente sur Redstone? Madame Redstone. Madame Redstone, excusez-moi. Le mec il s'est toujours l'Undertaker alors qu'il a une mitrailleuse. Bref. Donc on va vous laisser sur Redstone, la femelle. Ouais. Est-ce que tu voudras redevenir un homme? Ah, mais réponds-moi! Bah, je t'ai dit oui. Ok, donc je vais devoir refaire ça. Donc on se retrouve la prochaine fois. Salut, c'était Pink Shadows et... À la prochaine. Et à la prochaine, monsieur Redstone. Enfin, à la prochaine.